Alors, il y a deux moments très difficiles dans une conférence de ce type. C'est le début d'après-midi, parce que bon, après le déjeuner, c'est difficile. Et le matin, parce qu'il faut vous réveiller. D'autant plus que alors, je viens de vérifier, je suis le premier de 13 conférenciers. Alors, et je me souviens que le Costa Concordia, eh bien, il a coulé le vendredi 13. Donc j'espère que là, on ne va pas couler. Alors, l'idée de ce matin, donc, c'est vous. Voilà. C'est de vous expliquer, entre la vie réelle et la vie numérique, est-ce qu'il y a encore une frontière? Et ma conclusion, je l'ai dit tout de suite, c'est qu'il n'y en a pas, puisque c'est la même chose maintenant. Voilà. Alors, petite précision déjà, vous allez voir beaucoup de visuels un peu décalés, des visuels issus du street art, parce que c'est un de mes hobbies favoris. Et donc, quand Magali m'a dit on va faire le TEDx, et tu vas faire la conférence d'introduction, j'étais un peu timide, et elle me dit, oui, il va y avoir 140 personnes. Alors je me suis dit, mais moi, tout seul devant 140 personnes, il y a quelque chose qui ne va pas, puis j'ai un peu réfléchi, et je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas tout seul, parce que derrière moi, il y a beaucoup de gens. Il y a mes amis sur Facebook, qui sont déjà au courant, parce que je l'ai tweeté ce matin, mes followers de Twitter, plus LinkedIn, Viadeo, Google+, etc., etc., et aussi tous les gens qui viennent consulter mes deux blogs. J'en ai un sur le marketing et un qui s'appelle Éclectique sur la vie réelle cette fois. Et donc j'ai essayé de calculer combien de personnes étaient derrière moi. Alors, donc, quelle est quelque part mon influence sur la vie numérique? Eh bien, entre, pas beaucoup, beaucoup d'amis, mais entre Facebook et Twitter, j'ai à peu près 6600 amis. Et ça, c'est au premier degré. Et quand je regarde au deuxième degré, c'est-à-dire que si je compte les amis de mes amis, donc en moyenne sur Facebook, je crois les statistiques disent que quelqu'un sur Facebook a 130 amis. Et sur Twitter, c'est un peu plus, c'est 136, mais mettons 130. Donc ça veut dire qu'au deuxième degré, j'ai 860 000 amis. Et 860 000 amis, c'est plus, tenez-vous bien, que le tirage réuni du Monde, du Figaro et de Libé. Donc, il faut que je mesure mes paroles, parce que si je dis une connerie, ça va être diffusé à 860 000 personnes. Bon, c'est quand même un peu beaucoup. Et si je vais au troisième degré, cette fois, donc les amis des amis de mes amis, en théorie, ça fait 112 millions d'amis. Alors bien entendu, il y a des gens qui se retrouvent un peu partout. Il faudrait, comme on dit dans le langage du marketing direct, dédoublonner ces populations, mais quand même, ça fait beaucoup de monde. Autrement dit, et ça c'est un phénomène quand même extrêmement important, c'est que quand on est sur la vie numérique, on n'est pas tout seul, on est, disons, devant une communauté, une nébuleuse d'amis, et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que chaque fois qu'on dit quelque chose d'intéressant ou de pas intéressant, ça peut être diffusé vraiment très, très largement. Donc, tout le monde connaît la théorie des degrés de séparation. Et on dit, voilà, tout le monde, vous, moi, pouvait atteindre quelqu'un, n'importe qui dans le monde, avec 6 degrés de séparation. Et le fait que maintenant, dans la vie numérique, on a beaucoup d'amis, eh bien, ces degrés de séparation deviennent de plus en plus petits, puisque je crois qu'on est arrivé à 5 ou même à 4. Et moi, je me suis livré un petit exercice en me disant, mais j'ai probablement des gens très proches de moi. Et alors, c'est quand même extraordinaire, c'est que je suis à 1 degré de séparation du Dalai Lama. Autrement dit, si vous devenez mon ami demain, vous pouvez transmettre un message au Dalai Lama en deux temps. Tu veux? Ah bon, tu me donneras le message tout à l'heure. Je suis à 1 degré de séparation de Nicolas Sarkozy. Bon, je n'en suis pas très fier, mais c'est comme ça. Et à 2 degrés de séparation de Barack Obama. Alors, je vous assure, c'est vrai. Et donc, ça fait rêver, mais tout le monde est proche de tout le monde. Et ce qui est important, c'est que quand on est avec une communauté numérique, c'est qu'on vit au rythme de la communauté numérique et on vibre au rythme de la communauté numérique. C'est très important parce que chaque fois qu'il y a un événement, bon, là, comme je le disais à l'instant, j'ai tweeté sur le fait que j'étais ici, bon, bah,
J'ai pas vu parce que le Wi-Fi est un peu capricieux, mais je pense que ça va être relayé et que, enfin, tous les speakers. Alors, Magali disait que ce sont des grands speakers. Enfin, je crois que le plus grand d'entre eux, c'est Michel, qui vient du Canada. Hein, tu fais 2 mètres à peu près, non? Non? Bon, donc 92. Donc, toutes ces communautés va vibrer avec nous ce matin. Alors, et elle va vibrer Attawad. Alors ça, c'est le nouveau mot à apprendre. Attawad, ça veut dire quoi? Anytime, anywhere, any device. C'est-à-dire qu'on vibre en permanence, anytime, en temps réel, anywhere, donc nous avons maintenant le don d'ubiquité, parce que où que nous allions, eh bien, notre communauté nous suit avec des applications telles que Foursquare, enfin, c'est la plus connue, celle qui marche bien, et aussi avec tous les devices, c'est-à-dire le smartphone. Alors moi, ben ici, je suis équipé d'un smartphone dans la poche gauche, j'ai un iPad dans mon... Je sais plus où il est. Ah ben il est là. Putain, je croyais. On me l'a volé. J'ai mon ordinateur, etc. Donc on a tous les devices possibles et imaginables. D'ailleurs, il y en a un qui sonne là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Internet irrigue nos vies. Un peu comme on rentre chez nous, on ouvre le robinet, il y a de l'eau, on branche l'électricité. Bon, Internet, c'est un peu, ça devient la même chose. Comme le sang irrigue notre corps. Donc, se poser la question aujourd'hui de savoir s'il y a une frontière entre la vie réelle et la vie virtuelle, bon, je pense que c'est un peu dépassé, puisque les deux maintenant sont vraiment l'une dans l'autre, enfin, en symbiose. Alors, quelle est la clé? Parce que vraiment, c'est un succès tout à fait imprévisible. Il y a à peine 5 ans, ou même 4 ans, les gens disaient: mais Facebook, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour les enfants, c'est pour les ados, c'est pas pour moi en tout cas. Bon, et il y a encore des gens maintenant qui n'ont pas compris toute la puissance de Facebook. Et moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que, un petit peu de manière antérieure, on a mis une vingtaine d'années à ne pas comprendre comment fonctionnait un magnétoscope. Qui, dans la salle, a réussi à enregistrer quand il voulait des films sur la télé? Levez le doigt. Oui, mais toi, tu es geek aussi, c'est pas toi, tu es hors concours. Bon, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui me surprend beaucoup, c'est que sur les smartphones en particulier sont devenus si intuitifs que maintenant, en quelques heures, on peut faire marcher un smartphone, un iPad, c'est pareil. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'aujourd'hui, l'iPad est la bénédiction des seniors et même des gens extrêmement âgés qui peuvent retrouver le goût de la lecture, puisque là on peut grossir les caractères comme on veut, et c'est d'une simplicité biblique, et je crois qu'il y a un marché tout à fait étonnant pour l'iPad. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a cet engouement, et pourquoi cette vie numérique est si répandue et d'une manière aussi simple? Alors, moi, ma théorie, elle est très simple. C'est que, en fait, Internet, d'abord, est devenu très simple, mais comme le disent, alors malheureusement les couleurs là sont pas tout à fait au point. C'est un pochoir de Mystique. Alors je suis président du Mystique Fan Club, donc c'est pour ça que j'ai mis ce pochoir. Donc c'est, je sais pas si vous le voyez, devenir simple c'est compliqué. Bon, et ça c'est un des secrets d'Apple en particulier, d'avoir fait en sorte que l'approche intuitive des devices fait que on est très vite dans le coup. Et donc Internet est devenu un immense terrain de jeu, et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la dimension ludique de la vie numérique. C'est-à-dire qu'on est pris au jeu, et finalement, étant pris au jeu, eh bien, on y va, on ne se pose pas de questions, et on joue. Alors, à quoi joue-t-on? Eh bien, on joue à quoi? Ben, d'abord, moi, j'ai l'impression, quand je vais sur mon ordinateur, de jouer ou de rejouer au train électrique. Alors, certains ont eu faisaient des circuits dans leur grenier. Bon, moi j'ai eu un tout petit train électrique, mais là je retrouve le plaisir de jouer au train électrique, de faire des accidents, de corriger les bugs, etc. Bon, c'est vraiment un plaisir tout à fait inédit. Bon, aussi on joue à la marchande. On joue à la marchande parce qu'on peut acheter, on peut vendre, c'est les marketplaces, etc. Bon, donc on retrouve des plaisirs d'enfance tout à fait étonnant.
On joue au poker, on joue à nous séduire, à séduire ou être séduit. Bon, c'est tous les sites de rencontre, plus ou moins appuyés, mais enfin, c'est tous ces sites-là. On joue à cache-cache, certains ont des pseudos, jouent avec leur identité, voilà. Et on joue aussi à devenir une vedette. Ce qui est intéressant sur Internet, c'est que le fameux rêve d'Andy Warhol, c'est que tout le monde peut avoir dans sa vie un quart d'heure de gloire. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, c'est vous qui l'aurez. Bravo Magali. Mais il suffit de trouver une bonne idée pour qu'effectivement, on puisse avoir, alors, ne serait-ce qu'une minute de gloire sur Internet, c'est déjà beaucoup. Mais enfin, ça peut arriver et c'est extrêmement facile. Et avec qui jouons-nous ? Ben évidemment avec nos amis. Et c'est là où intervient une dimension supplémentaire, c'est qu'on n'est plus tout seul, on joue avec nos amis, et là, chacun prend un pouvoir tout à fait important, inédit, et on va regarder ce pouvoir. Là, le pochoir, c'est d'un artiste très, très talentueux qui s'appelle Jeff Aerosol. Alors, à quoi joue-t-on ? Ben d'abord, on joue à partager. Quand tout à l'heure on va dire voilà, j'ai appris telle et telle chose au TEDx Montpellier, on va le partager à sa communauté d'amis, plus ou moins grande, en fonction de l'intérêt de la note qu'on va rédiger. On prescrit. C'est-à-dire que si demain j'achète un livre ou une voiture ou des fringues et que je les aime bien, que je les aime pas, eh bien je vais dire à tous mes amis, voilà, j'ai acheté ça et j'en suis très content. Et donc il y a un pouvoir de prescription extrêmement étonnant qu'utilisent de plus en plus donc les marques. Je louange ou je critique, évidemment. J'appelle au secours. Alors, sans trahir ou sans déflorer plutôt ce qui va vous passer, tout à l'heure, mais Damien va nous montrer comment il a appelé au secours. Mais j'en dirai pas plus parce que sinon je vais... Tous ces effets vont être mis par terre. Donc, on peut appeler au secours. Alors, il y a, par exemple, une application maintenant, et je vais rentrer dans le concret, il y a une application sur Facebook qui permet d'avoir Facebook dans sa voiture. Ça va arriver très très vite. C'est-à-dire que sur le tableau de bord de sa voiture, on va voir Facebook, et vous pourrez, en direct, faire du covoiturage, mais aussi, et l'exemple, je l'ai vu démontrer il y a quelques semaines à New York, c'est que la personne, il y avait beaucoup de neige dans les rues, elle a demandé de l'aide, et aussitôt, bah, les gens qui étaient à côté de sa voiture, parce que tout ça est géolocalisé, sont venus lui donner un coup de main. Bon, ça, on pouvait pas le faire auparavant. Auparavant, on appelait la centrale qui disait bah, « je peux pas me déplacer », etc. Mais là, on est vraiment en temps réel avec sa communauté. Donc on appelle au secours, on trouve un emploi. Maintenant, les CV classiques, papier, etc., bon, ça n'existe quasiment plus. Et d'ailleurs, il y a un métier qui a disparu, moi j'en suis très, très triste, c'est le métier de graphologue, parce que faire de la grapho sur un écran d'ordinateur, c'est pas si simple, mais bon, c'est comme ça. Et donc, on peut aussi demander des conseils, donner des avis, bon, il y a les forums, hein, vous les connaissez par cœur. Et on peut aussi rechercher un conjoint pour la vie, pour la soirée, tout est possible. Alors, on partage surtout sur Internet plein de choses. Donc, on partage des infos, brutes ou accompagnées de liens. Alors, ça c'est très magique, c'est que vous voyez une vidéo, vous voyez un article sur un site, vous voyez une photo qui est intéressante, eh bien vous incluez le lien de ce que vous voulez donner sur ces infos, et donc, de manière très simple, les gens qui vous suivent peuvent avoir accès à tout ce qui vous a intéressé. Les achats. Alors, ça date de quelques semaines. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que maintenant, quand j'achète un livre sur Amazon, et je dois en acheter, je sais pas moi, deux par semaine au moins, eh bien, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et on me dit « Est-ce que vous voulez partager cette information avec vos amis ?» Alors des fois je dis oui, des fois je dis non, et si je dis oui, en fait, sur Twitter, automatiquement, sans que je fasse quoi que ce soit, on dit « Henri Kaufmann vient d'acheter tel et tel livre ». Bon, ça veut dire que... Et je peux mettre un commentaire « Pourquoi j'achète ce livre ?» Donc, en fait, en disant ça, je rends service peut-être à tous mes amis,
Évidemment, Amazon en tire profit puisque ça fait des ventes supplémentaires. Alors, partage dans un salon d'essayage, ça aussi c'est très nouveau. Il y a maintenant, alors évidemment tout ça vient plutôt des États-Unis, qui est l'énorme laboratoire. Donc, vous essayez un vêtement dans un salon d'essayage, il y a une caméra devant le miroir, vous avez une télécommande, vous prenez la photo et automatiquement, tous vos amis Facebook, par exemple, ou Twitter, reçoivent la photo et peuvent vous dire ça te va bien ou ça ne te va pas bien. Ben oui. Et donc, en fonction des avis de vos amis, ben vous achetez ou vous achetez pas. Et vos amis peuvent ensuite acheter la même chose ou aller dans le même magasin. Qu'est-ce qui se passe là? C'est 3 minutes? Ah bon, alors je dirais que c'est. On partage la musique, c'est-à-dire que j'écoute telle et telle musique sur Facebook en temps réel, eh bien, mes amis. Ah, c'est ma barbe, pardon. Ça gratte, ça gratte. Mes bons plans, mes photos. Alors maintenant, il y a une application qui a un succès tout à fait incroyable, c'est Instagram. Donc je prends une photo et tous mes amis sont au courant, enfin aussitôt sont au courant de la photo. Alors, photo de vitrine, par exemple, ça c'est une application absolument étonnante. 2 minutes, très bien. Une application étonnante, c'est que on peut prendre des photos de vitrines et sur Internet, où on avait l'habitude de voir des sites marchands, maintenant on va voir les vitrines en temps réel dans la rue. Et ce sont les internautes. Oh là là, mais ma barbe pousse. Allez. Bon, et je partage mes coups de cœur. Alors. Donc les frontières entre l'URL et l'IRL ont disparu, mais tout ça s'est fait très progressivement, même si ça a été rapide, ça a été en douceur, on s'en rend plus compte. Alors, ce matin, j'avais un article hier dans le Figaro qui disait le commerce est en train d'utiliser toutes les techniques du web. Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose d'étonnant parce que le web, enfin le commerce qui semblait se ringardiser, reprend des couleurs avec justement l'utilisation d'Internet. Dernière petite chose. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que si on enlève le C de consommation et le T de travail, qu'est-ce qui reste? Lien. Donc maintenant, les clients sont des liens et nous sommes tous devenus des médias. Des médias clients. C'est-à-dire que nous avons un pouvoir de prescription, comme les médias. Alors, petit regret, il y a quand même des bastions énormes de l'industrie qui ne sont pas du tout venus sur le web, les banques. Alors depuis quelques semaines, je peux envoyer un email à ma banquière. Avant, elle me disait envoyez-moi un fax. Je ne sais même plus ce que c'est, moi, qu'un fax. L'assurance, bon, j'aurais beaucoup de choses à vous dire sur l'assurance, c'est complètement dépassé. Même l'éducation nationale, bon, peine à arriver, j'arrête tout de suite, peine à intégrer le numérique. Cela dit, une de mes amies a reçu, ayant donné des exercices à ses élèves, a reçu en retour des clés USB et commence à faire des cours via des projections de PowerPoint. C'est quand même extraordinaire. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et voilà. Merci.